Une trentaine de personnes étaient réunies au port de Dinan pour la balade citoyenne de l'échange au partage organisée par le département dans le cadre de la semaine du développement durable. Bienvenue. Je vous invite à rentrer dans la cour si vous voulez, on sera peut-être un peu sérieux. Direction la Linaigrette pour la découverte de la première monnaie locale du pays de Rance, la maillette. Mais au juste, c'est quoi une monnaie locale? C'est une monnaie complémentaire à l'euro. Ça permet d'augmenter les échanges sur les territoires entre les particuliers et les entreprises, ou entre les entreprises elles-mêmes. La monnaie reste sur le territoire, la monnaie ne part pas, on ne sait pas où, dans la spéculation. C'est-à-dire que toute la monnaie locale est utilisée pour augmenter la production locale, la richesse locale. Puis direction les bords de la Rance et ses jardins partagés, cultivés depuis 1948 par des citoyens. 28 parcelles ont été attribuées par tirage au sort et l'adhésion est modique. Des jardiniers passionnés. Alors disons, j'avais 21 ans quand j'ai eu ma parcelle propre. Donc j'en ai 68, ça fait 45 ans. Déjà, on essaye d'avoir des produits le plus naturel possible. On préfère mettre du fumier ou alors du compost. Chacun, disons, cultive à sa manière. T'as ta parcelle, à partir du moment où tu la cultives correctement, on n'intervient pas. Si c'est pas cultivé, là on intervient. J'habite à Dinan depuis 2 années exactement, mais née à Trélivant. Et toute ma jeunesse, je l'ai passée évidemment à la campagne avec la culture, avec les fermes, avec tout ce travail. Donc ça me rappelle un petit peu ma jeunesse. Et en plus, c'est très très agréable de découvrir un coin comme celui-ci à Dinan. Voilà le fait qu'on puisse revenir aux sources, qu'on puisse revenir à la valeur humaine qu'on perd. Parce qu'on a beau vivre ensemble, on ne se connaît pas, on est très individualiste et que partager un bout de terrain, c'est remettre les doigts dans la terre et remettre les mains croisées avec ses voisins.